Salut à tous, c'est parti pour une édition spéciale du Top Chef à l'occasion de Diwali. Quand vous connaissez Diwali, Top FM nous vient avec une super petite recette de gâteau. Un grand merci à nos sponsors, parce que grâce à eux, vous connaissez pour nous faire un gâteau, une réussite, nous avons un bon ingrédient et nous avons un sponsor toujours là avec nous. Nous avons un bac au foil, qui est là, vous connaissez, hein? Nous avons fini cuit. Nous finissons faire gâteau, nous vous conservons bien. Back of foil pour conserver ou ban gâteau. Nous avons Eagle Brand, nous pas vous présenter Eagle Brand, tout sur les épices et aussi sur les ingrédients pour gâteau qui sont sur les coco, nous avons tout hein, de Eagle Brand qui sponsor aussi ça l'émission là. Et aussi nous avons Rainers, hein, ça c'est ban, on a fait dire Rainers, l'autre appelé Rainers, c'est ban colorant et ban flavor pour gâteau. Waouh, un bon goût, un bon flavor. Hein? Ça c'est une bonne couleur. Et nous avons servi manteigue Kaogi. Un bon manteigue qu'il y a en ce moment-ci, le Kaogi. Sans oublier, vous ne sommes pas capables de faire une Diwali sans une indilée formelaine. Ça, il est présent dans toute la case de Mauricien. Et formelaine, vous connaissez, ou gâteau vin bon. Pour sa première recette-là, moi, j'ai le plaisir pour accueillir dans la cuisine de Top FM, Reshma. Madame Reshma. Reshma Paten, voilà, nous préciser Reshma Paten qui est avec nous, que tu as habité. Reshma Paten de Varkwa qui est avec nous aujourd'hui. Reshma, bienvenue. Merci, hein? Ryan. Un plaisir parce que nous avons checké le TikTok, on a fait une petite vidéo cuit, tout ça, le TikTok. Reshma, ou bien content de faire la cuisine? Oui, depuis petit moment, bien content de faire. Bien content. Bon, l'homme bien gâté, alors. Oui. Hein, c'est bon, bon, tu manges. Ben justement, Reshma qui vous présente nous, un gâteau exceptionnel. Première fois beaucoup qui peut cette vidéo là pour tenir ce gâteau là. Un ladou préfère. Qui ladou préfère pour nous là? Je vais faire un ladou Giromont. Un ladou Giromont, vous êtes. Ben justement, direction les préparations. On y va. Pour nous ladou Giromont, bien sûr, nous avons Giromont, Bessane, Badam, Elaïti, Coco, l'essence lavanille, 10 sucres, 10 lait en poudre formelaine, raisin, gui et colorant. Nous commençons par griller nos bessanes. Quoi fini, nous râpons nos giromons. Fini, nous ajoutons nos giromons. Nous sautons un peu pour les vins soft, les vins mou. Quoi fini, nous ajoutons ces giromons qui viennent soft là dans nos bessanes grillées. À ce là, nous grillons un peu la poudre coco. Et nous ajoutons-le dans sa mélange Giromont avec Bessane qui nous fait mélanger ensemble. À ce là, nous ajoutons du lait, du sucre et l'Haïti, l'essence lavanille. Et pour finir, pour terminer, the final touch, comme on nous dit, nous ajoutons un petit guide couleur, une cuillère de ghee et nous mélangeons le tout bien. Et à la fin, nous rose un peu raisin. Et badam. Et pour nous gagner une formule à deux, bien sûr, nous avons fait un petit boule-boule. Nous passons dans, encore une fois dans la poudre coco. Le doux, waouh! Giromont paré! Hein? Bien soin du coco tout le haut là. Et puis en tout cas, voilà, chers internautes, en le doux. Combien de temps il a resté là, si vous regardez comme ça là? Une semaine? Une semaine. Bien sûr, nous regardons dans le frigidaire au frais. Reshma, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retrouve très bientôt pour une autre recette avec Reshma même. Les meilleurs moments, ce sont ceux que nous avons partagés avec les nôtres. Malgré toutes les épreuves et les contraintes, nous sommes restés unis et reliés plus que jamais. Nous avons surmonté les difficultés en les transformant en instants de bonheur. Nous nous sommes surpassés, alors partageons tout ce que nous avons de valeur.
Raffermissons nos amitiés. Créons avec nos proches ces moments intenses. Partageons ces moments inoubliables ensemble. Eagle Brand, restons unis. Oh, hi! You have to try this. This is so good. Ça jalebik nous bemanze artelala, finet fait, pour Britannia Pew Cows Ghee. Et que moi, j'ai extra envie de chez ça avec vous parce qu'il y a un vrai secret de ce gâteau-là pour qu'il devienne goûteux avec fondant, c'est sa ghee-là. D'ailleurs, tout ce gâteau que vous avez trouvé sur la table-là, il est préparé pour Britannia Pew Cows Ghee. En tout cas, je recommande tout service à ghee-là pour toutes les bonnes préparations et célébrations parce que sa ghee-là est vraiment one of the best et qu'il add flavors to all your celebrations.